Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, un tuto cuisine plutôt. Comment faire des narcotiques, comment voir les narcotiques, comment faire des soins, des potions de soins et où récolter les ingrédients nécessaires. Bon, allez, c'est parti. Alors les amis, pour faire les potions, il vous faut une cuisinière et un laboratoire de chimie qui sont aux engrammes. Ils sont au level normalement le laboratoire, le lab le labo de chimie level 82 si je me trompe pas. Attention, on va vérifier ça tout de suite. Voilà, 82, le labo de chimie, c'est celui-ci, atelier de chimie plutôt. Et 87, non 89 plutôt, cuisine industrielle. La cuisine industrielle, c'est pour faire les potions, cuisine, graines, enfin croquettes, tout ce qu'il faut. Et le labo de chimie, c'est pour faire des narcotiques. J'en ai déjà lancé un peu, ben, c'est déjà fini. Eh ben, déjà un bon stock. Comme ça, on peut faire pas mal comment ça s'appelle, de flèches tranquillisantes ou soit des potions. Voilà les amis. Alors les amis, on est arrivé à l'endroit où on va farmer les baies rouges pour faire les soins, enfin les potions de soins. J'en ai déjà farmé quelques-unes. Je vous montre très rapidement comment je fais, parce que franchement, ça mérite quand même, hein. Alors bien voir ce que je vais garder, ce que je vais pas garder. Fleurs rares, tout ça, j'ai. Pour l'instant, ça me sert à rien tout ça. Stop. Je vais tout mettre dans le. Dans le quetzal. Qui est. Ça, je garde parce que voilà, c'est utile pour faire des buissons. Après, moi, ce que je fais, je monte sur lui d'abord et je charge. Non, par contre, je le vide. Je vide le... Oh, je sais plus comment il s'appelle, mais bon. Après, je charge et je ramasse un peu tout, je tape tout. Non, attends. Il déraille un peu le bordel. Alors voilà. On ramasse un petit peu tout ça et ça fait un max de fleurs rares. Attends, voilà. Ici, il y en a pas mal. Ici, il y en a pas mal. Ça. Après, je vous montre l'endroit précis où je suis. Alors, déjà, faut que tu arrêtes de rentrer dans les roches. Et que j'arrête de bugger. Qu'est-ce que c'est que ça là d'abord? Voilà, quenouille. Ouais, je pense que c'est quenouille. Bref, c'est le truc où t'as le maximum de fleurs rares, de fibres. Tu ramènes un terrier ici, t'es rempli. T'es rempli. J'ai ramené un terrier ici, je suis reparti avec 20, avec 50 000 fibres. Et j'ai même pas encore tout ramassé. En même temps, c'est un bon terrier, il faut le tirer, mais c'est énorme. Je prends juste le loot ici au cas où, hein, c'est à côté. Non, il n'y a rien. Ok, cool. Alors, moi je fais juste quelques petits. Oh, il est mort, c'est dommage. J'aurais voulu le voir. Enfin, le voir. Le terrasser plutôt, le charger. Allez, si tu ramènes un bronto aussi, c'est mieux. C'est beaucoup mieux un bronto. Je fais quelques petits allers-retours comme ça. Et franchement, ça fait l'affaire. C'est rapide et ça ramasse énormément. Voilà, déjà j'ai pas mal de baies rouges, baies noires pour les narcos, ça pour les buissons. Et je pense que tout le reste, ben, je suis pas tellement intéressé. Je jette et je continue à faire des allers-retours comme ça en ramassant tout. Mais il n'y a pas trop de précision vu qu'il est plus petit, il ramasse pas tellement lui. S'il ramasse, franchement il ramasse, mais un bon taux serait beaucoup mieux. Voilà. Je farme l'ami. Je suis occupé. Merci. Alors, viens voir combien de baies rouges on a là. Je pense qu'on en a pas mal, mais il va nous en falloir beaucoup pour faire pas mal de potions. Oh, je pense que ça ira. Ça ira, y a là, y a là.
Il y en a pour mon petit monde. Il y en a environ pour, je sais pas, 200, 300 potions. Bon, écoutez, là, je vais prendre lui. Et je vais rentrer à la base. Et après, on va se faire ces petites potions. Ok, les amis, ça y est, on est arrivé à la base. Et là, on va pouvoir prendre toutes les baies qu'on a trouvées. Enfin, on n'a pas trouvé, on les a farm, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais prendre que ça, après, je vais revenir pour le reste. Et là, les amis, ce qui est important, c'est qu'il faut beaucoup de narcotiques aussi. C'est pour ça que j'ai fermé aussi les baies noires. Et de préférence, une cuisine industrielle et une table de chimie. Enfin, je pense que ça s'appelle comme ça. Moi, il est déjà allumé. J'ai ramené tout ce qu'il faut. Des narcotiques. Je précise des narcotiques fabriqués. C'est-à-dire des pots de narco. Attends, hop. Je précise bien combien il faut des pots de narcotiques et des baies rouges pour que ça fasse des potions de soins comme celle-ci. Bon, c'est des médiums, d'accord. Et là, je vous montre comment faire des pots narcotiques très rapidement, très efficacement. De préférence, avoir un labo de chimie, artisan en chimie au pire. Ou atelier, voilà. Tu fous tous tes narcos dedans. Après, un petit peu de viande pourrie, évidemment. Tu allumes. Et là, ça t'en fait max. Là, vraiment beaucoup. Et là, j'ai pas encore mis beaucoup de viande pourrie, mais si tu en mets beaucoup, ben, tu auras beaucoup de viande, de narcotiques. Là, les amis, je vous ai montré comment faire des narcotiques et des soins. Voilà, les amis, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a été très utile. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, à vous abonner et à liker la vidéo. Allez, à la prochaine!